conséquences. Tout à chaque fois qu'ils font chier, je suis comme les hooligans. Excusez-moi, je me suis pas encore présenté, je suis le boogeyman. La nuit, je me cache sous le lit des enfants pour les terrifier. Puis je fais par exprès pour les faire crier. Je les terrorise, puis je les traumatise. Aussitôt j'arrive, en pleine nuit dans leur chambre, pendant qu'ils dorment en agrippe à leurs jambes. Je les pogne et je les sors hors de leur lit et je récolte l'énergie. Les enfants dégagent quand ils pleurent et tremblent, en les regardant dans les yeux, siphonnant leur âme. En ce moment, je regarde une petite fillette pendant qu'elle dort. Elle sait pas que je suis dans sa chambre pis que je suis caché dans le placard. La porte est fermée, y'a aucune ouverture. Quand les enfants me voient, ils se cachent en dessous de leur couverture. Je vais toujours faire exprès lorsque je réveille des petites filles pour les effrayer, pour qu'ils crient. Quand ils me voient pour voler leur énergie, quand je suis un vampire psychique, que les enfants pleurent la nuit quand que je les visite. Dans leur chambre, lorsque je me cache dans l'ombre, je deviens presque invisible comme un fantôme. Tous les enfants qui en voyant migrer parce que j'ai des grands ombres. Je suis comme Freddy Krueger. J'écoute l'énergie que les enfants dégagent lorsqu'ils crient de douleur. La petite fille chez qui je me trouve crie depuis tout à l'heure. Quand les enfants disent qu'ils m'ont vu à leurs parents, il n'y a aucun d'entre eux qui croit que c'est ça le plus marrant. Étant donné que j'existe réellement, je terrorise une petite fille jusqu'à temps que ses parents finissent par ouvrir la porte. Puis je disparais en même temps, tout ce qu'ils voient c'est leur petite fille assise en petite boule qui capote. En étant encore la nuit, il est juste rendu 3h. Je rentre dans une autre chambre, puis je terrorise sa soeur. Son frère, je suis caché dans la noirceur. Puis je fais en sorte que les enfants se mettent à avoir peur de moi pour pouvoir leur prendre leur énergie. Tandis qu'ils pleurent dans leur lit, en poussant des cris de frayeur. Toutes les enfants vivent leur horreur lorsque j'en fais peur que j'ai force à me regarder dans les yeux pour les vider de leur force. Vitage leur vole leur énergie en l'aspirant à la lueur blanche qui sort hors de leur torse. J'ai déjà ce niveau sourire, mais j'adore lorsqu'ils se plaignent. Car je suis caché dans leur placard, je suis le prince mitaine. Je disparais lorsque les parents ouvrent la porte, puis je réapparais lorsqu'ils la ferment. Parce que je suis le prince mitaine. Je m'arrange pour que le petit gars qui vient la chienne, en me voyant parce que je suis le prince mitaine. Les enfants pleurent, ils font des cauchemars. Lorsque je leur fais peur, je me cache dans mon grand placard. Jamais je fais tout ça, c'est parce qu'il faut l'énergie. Si je me nourris pas, je crève. Je sens dès que c'est la nuit, puis disparaît à chaque coup. Le soleil se lève. Je tournerai pas la lumière. Il suffirait que je sorte dehors en plein jour pour qu'il me crame. Je suis une créature de l'ombre. Je suis le boogeyman. Les parents sont loin de se douter de tout ce qui se trame. En réalité, personne ne le sait, mais je suis le boogeyman.